sommes vendredi 1er mars. Je viens juste de me réveiller. Il est 10h. Hier, j'avais dormi à 2h du matin à cause d'une vidéo que j'avais postée un peu tardivement. Et voilà, en fait. Ah, il fait beau dehors. Je sens que cette journée sera belle. Super bien, fabuleux. Ok, je vais juste aller me laver les dents. Trouver quelque chose à manger. Je vais poster un truc pour ma belle-sœur à la poste. Ok. I got broads in Atlanta. She took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Dans la précédente vidéo, j'ai vu un commentaire d'une personne qui me demandait « Hey Fabio Saint, parle-nous de la drague aux États-Unis. Parle-nous du comportement des filles américaines vis-à-vis des Africains, black américaines comme blanches. » Et sincèrement, dans cette vidéo, je te parle de drague. Je pensais à faire ce genre de vidéo, mais je pense que voilà, vu qu'on me l'a demandé, je vais le faire pour vous. Et en fait, vous allez découvrir plein de choses. Ouais, crois-moi, tu vas découvrir beaucoup de choses. Ouais, les filles aux États-Unis, pop. Hey frère. Attache la ceinture, c'est parti. C'est une chose qui est évidente, c'est que la manière de penser des filles américaines est totalement différente de la manière dont les filles africaines pensent. Elles ont des centres d'intérêt totalement différents. Du coup, la manière d'approcher une fille aux États-Unis n'a rien à voir avec nos manières dont on approche les filles en Afrique. Tu vois, en Afrique, c'est... Tu peux t'arrêter et dire « Hey, mademoiselle, s'il te plaît, viens ici, là. Hey, frère, tu fais ça aux États-Unis, ça dit que la go va t'humilier d'une manière... Hop, hop, c'est pas possible. » Donc, je pensais entre-temps faire des vidéos où je te donne des petits conseils, des petits secrets de drague. Comment est-ce qu'on drague les filles aux États-Unis? Ça peut aussi, toi, t'aider dans... Si tu n'as pas encore de copine, peut-être que c'est le moment idéal. Tu peux maintenant essayer de... J'utilise cette technique dans ton cas pour essayer d'avoir plus de copines. Donc voilà, dis-moi si tu es intéressé YouTube, je peux commencer à faire ce genre de petites vidéos où je vais t'expliquer comment pouvoir draguer une fille. Ou bien comment se passe la drague aux États-Unis en fait. Hello. Hello. Just need the coffee. Yep. Cappuccino or chocolate? Chocolate. I think something chocolate. Yep. Oh, tu sais, à force d'être en Afrique, de regarder les films de Hollywood, les séries télévisées, tout ça, on a directement cette première personne qui vient à l'esprit que les filles américaines sont faciles. Évidemment, d'après mon constat, d'après ce que j'ai pu voir sur place, les filles américaines sont plus faciles par rapport aux filles africaines. Ça ne veut pas dire que c'est des filles qui s'amènent avec tout le monde, mais ça veut quand même dire que c'est des filles, à un certain moment donné, si tu arrives à respecter certains standards, tu peux facilement leur plaire. Et puis, ce qui me plaît évidemment chez les filles américaines, c'est quoi? Tu peux rencontrer une fille à 15h, commencer à lui parler, commencer à sympathiser et avec un peu de chance, déjà le jour prochain, tu peux l'avoir dans ton lit. Tout simplement parce que tu lui plais, tout simplement parce que tu as ce, en fait, tu as ce petit truc qui fait qu'elle s'accroche à toi. Et tout dépend directement de la première impression que tu lui fais. Tout dépend de comment est-ce que vous avez commencé à parler, tout dépend de comment est-ce que vous avez, comment tu l'as abordé. Si c'est une manière qui l'a vraiment marqué, crois-moi, cette fille va pas te lâcher de sitôt.
Et le schéma de la drague aux États-Unis, c'est très simple. Premier jour, tu l'invites au restaurant. Deuxième jour, tu l'invites chez toi. Et troisième jour, vous couchez ensemble. C'est très simple, c'est un peu comme ça se passe. Ça dit que quand tu sais un peu te prendre, quand tu es un gentleman, quand tu es un mec posé, ça dit que tu sais ce que tu veux, attirant, sexy, beau gosse et tout. Premier soir, tu l'invites au restaurant. Deuxième soir, tu peux l'insister, tu peux l'inviter au cinéma si tu veux. Troisième soir, tu l'invites chez toi. Et si avec un peu de chance, si tu sais t'y prendre, tu peux finir avec elle dans ton lit. Donc c'est très simple, c'est juste la manière dont tu vas te prendre pour pouvoir la faire changer d'avis afin qu'elle devienne accro à toi en fait. You photographer? I'm a YouTuber. I'm a YouTuber. I'm a YouTuber. Oh, YouTuber? Oh, yep. Okay. You do like a vlogs site? And vlogs? Yeah, reaction to songs, you know, just okay. Everything for fun. Okay. It's called a YouTuber. Is that what they call it? Yeah, someone who making video on YouTube is a YouTuber. I didn't know that. Je viens juste de sortir de la pause où j'étais allé poser un truc. Alors, le plus important des États-Unis quand tu veux draguer une fille, c'est juste d'être toi-même. N'essaie pas d'impressionner la fille, n'essaie pas de venir en mode « Oh, tu sais, non. » Sois un mec posé, tu vois. D'où il est très important quand tu dragues une fille aux États-Unis, c'est d'être en fait la meilleure version de toi-même. Tu viens en mode posé. Ne sois pas un idiot. Un idiot, c'est ce qu'on appelle un peu, genre, c'est un peu le genre de mec, quand il vient, il veut faire... Non, frère, pose-toi. Laisse tranquille, ça dit que reste tranquille. Tu veux garder la fille. Tu viens, tu le parles gentleman. Et puis, ne lui mets pas la pression, ne sois pas le genre de mec qui veut tout obtenir en même temps. Donne-lui le temps, fais semblant de l'ignorer, tu vois. Tu viens, tu dis bonjour à la fille, ouais, tranquille. Et pose-moi, quoi, tu vois. Et automatiquement, tu verras que la fille s'intéressera à toi. La fille sait automatiquement que tu la veux. Elle sait que tu es venu pour lui parler, que tu veux quelque chose d'elle. Mais ne lui montre pas que toi, tu as plus besoin d'elle que elle, elle a besoin de toi, tu vois. Il faut essayer de créer une sorte de vide. Et tu verras que c'est la fille qui va maintenant essayer de remplir ce vide en essayant de te rapprocher de toi, en essayant de savoir plus sur toi. Essaie d'être un peu le mec mystérieux, sois un mec mystérieux. Et sois confident, il faut avoir confiance en toi. C'est une chose que les filles adorent chez les mecs, elles aiment les mecs qui ont confiance en eux. Elles n'aiment pas les mecs qui courent de gauche à droite et ne commettent jamais la bêtise de chercher ou bien de courir deux filles ou trois filles au même endroit. Ça c'est un conseil, je te déconseille ça, ne fais jamais cette erreur de pouvoir, quand tu dragues une fille, elle refuse d'aller voir l'autre et l'autre non. Directement on dira que non, celui-ci n'est pas sérieux et que c'est vraiment un nid, c'est un n'importe quoi, tu vois, il ne vaut pas la peine. Draguer une fille en Afrique, c'est la chose la plus compliquée. Je ne sais pas de nature, une sœur africaine, c'est tellement compliqué. C'est vrai, c'est la culture, c'est la tradition, je respecte ça. Genre, tu rencontres la fille aujourd'hui, elle peut te donner son numéro, elle te donne son numéro. Et voilà quoi, ils ont commencé à tester, après tu dis ok. Tellement on a passé d'argent en Afrique que c'est compliqué d'inviter une fille au restaurant, tu vois. Et puis une fille africaine, quand tu l'invites au restaurant, elle va quasiment essayer de te vider les poches. Or ici, quand tu invites une fille aux États-Unis, au restaurant, un peu même si tu peux me dire ok, laisse-toi, t'en fais pas, je vais payer pour l'addition, tu vois. Donc tu invites la fille au restaurant, peut-être que tu as juste 5000 francs. Après les 5000 francs, elle va te bouffer même. Tu risques même de payer 15000 francs, tu vois. Après, elle va commencer à te demander du crédit. Elle dit ouais, hey, frère, tu peux faire un mois. Je sais que c'est bien, c'est vraiment bien. Mais ici, la mentalité est totalement différente, tu vois. Ce n'est pas pour dire que nos filles africaines ne sont pas gentilles, c'est pas bien d'être compliqué. Au moins, ça permet de tester l'amour que tu as envers la fille. Mais ici, les filles américaines, les relations, c'est pas trop leur fort. La plupart, c'est juste des relations de... C'est juste pour le sexe et puis c'est fini, quoi. Ce n'est pas vraiment... C'est compliqué de construire une relation à longue durée avec une fille américaine. C'est très compliqué parce que leur culture, sont des filles vraiment tellement gourmandes. Elles veulent vraiment tout essayer. Et puis, il y a une question que je sais que vous allez commencer à me poser. Est-ce qu'elles aiment vraiment les Noirs? Pourquoi est-ce qu'elles aiment les Noirs? Ah, tu sais quoi? Les filles américaines aiment les Noirs parce qu'elles savent que nous les Noirs on a de gros trucs. C'est tout, c'est la raison pour laquelle elles nous adorent parce que généralement la plupart des Blancs ont des petits kikis, tu vois. Et ouais, elles savent que nous les Noirs et puis aussi la curiosité et tout ce qui va avec. Donc c'est tout un tas de trucs. Dis-moi si tu es vraiment intéressé de savoir davantage sur les filles aux États-Unis. Si tu es vraiment intéressé de faire connaissance en profondeur de comment ça marche la drague aux États-Unis. Je vais commencer à faire des vidéos là-dessus. Sujet par sujet, pose-moi la question dont tu as besoin de savoir en commentaire comme toujours, c'est fabuleux. Je me ferai le plaisir de pouvoir faire des vidéos dans lesquelles je vais pouvoir t'expliquer comment te prendre. Et s'il y a possibilité, tu pourras mettre en pratique cette technique avec les filles de ton pays.
crois-moi, ça serait un peu un truc de nouveau. Elles vont admirer, elles vont kiffer. Alors, j'espère au moins que tu auras aimé cette vidéo. Laisse des pouces bleus, des commentaires. Abonne-toi à ma chaîne Fabulous Saint-Homme, tu sais.